sont pas là. Ouais. C'est qui là-bas en noir avec le foulard? Où ça? Ah, ouais, voilà. On va se mettre là-bas, là, près de la falaise maudite. Regarde la pointée. S'il te plaît. Je te gueule. Attends, tu vois. Je te donne un Je vais jeter de la falaise, tu vois. Bon, il y a une personne ici qui va mourir ce soir. Qui c'est, déjà qui c'est. C'est la question. à mon avis, il peut déjà se sentir visé, hein, mais je rappelle les règles. Vous avez, bon, pour certaines personnes, voilà. Il y a des personnes ici qui ont signé un pacte qui dit que vous acceptez la mort si les présidents ou une quelconque, un quelconque soupçon sur vous. Patrick, tu veux rajouter quelque chose ? Je veux juste simplement dire que on vous a mis bien jusqu'au bout. Après, il n'y a pas de place pour les imbéciles, les naïfs. Et que si on décide de vous éliminer, c'est pour une bonne raison. Bon, bah, il l'aura deviné, hein, Stan, malheureusement. C'est con à dire, mais franchement, t'avais été la personne que justement on avait placée assez haut aux côtés, à nos côtés. Et le problème, c'est que. Mais tu peux t'expliquer hein, aussi, hein, pas de problème. Non, mais est-ce que m'expliquer ça va changer les choses Non. J'ai du mal à croire à ça, mais tu peux toujours nous convaincre, mais. Pour l'instant, le problème, c'est que bah, y a des personnes avec qui t'as parlé, qui nous déplaisent. Bah, qui nous déplaisent et qui peuvent nous nuire en fait. Le problème, c'est que y a des business qui sont en cours et ça peut nous nuire. Donc, à l'heure actuelle, on va être obligé de se mettre entre guillemets à la retraite pendant quelques temps à cause de ça, quoi. Donc, je peux dire un truc. Ouais. Pour montrer que je suis fidèle au gang, est-ce que c'est moi qui peux faire le premier truc? Qui peut faire quoi? Le buter. Non, ça sera au président de faire ça. Ça sera au okay. président de faire Alpha, ça. T'as un chien, toi. Je te l'avais dit, Calvin. Il n'y a pas de répit pour les personnes qui parlent avec les flics, c'est ça le problème, Stan. Ah, t'as parlé avec les flics? C'est que dans tout ce qui s'est passé ce soir, on a certes oublié des choses, on s'est pris des balles, mais dans tout ça, t'as parlé un peu trop avec une certaine personne. D'ailleurs, bah, je vais vous dire son nom, hein, c'est Shadi. C'est un ancien ballast qui fait un peu trop le malin en ville. Donc... le problème, voilà, c'est ça, c'est que... Le problème dans tout ça là-dedans, c'est que maintenant, on va plus faire confiance à grand monde. Donc, les prochains qui font n'importe quoi et qui décident de nuire à nos activités ou à quoi que ce soit, se verront ôter la vie. Évidemment, Stan, tu vas mourir ce soir, mais... J'ai déjà donné tes papiers à une certaine personne qui, je pense, reviendra en ville, qui va bientôt arriver. Donc, évidemment, les papiers seront faits et on sera ravis de le prendre à nos côtés. Il faudra juste qu'il fasse pas les mêmes erreurs. Ah, je vois. Mais de toute façon, il sera mis au courant de tout ce qui se passera et lui aussi signera le pacte. Et, qui ça ? Et si justement il enfreint les règles, bah. Malheureusement, il suivra ton sort. Maintenant, je vais demander à tout le monde, sauf à Patrick, de s'écarter. Je vais me mettre derrière. Tu vas te poser une question après Ouais. Putain. Ouais, vous pouvez vous écarter derrière. Ouais. Bon, Stan, à plus. Hein. On se reverra, Inch'Allah. Bon, Stan, comme on te l'a dit, le problème dans tout ça, c'est que maintenant. T'es une des seules personnes qui a eu contact avec les flics, excepté le procureur.
et qui est entre guillemets avec nous. Donc prends pas ça comme une défaite, il nous a bien aidé. Et malheureusement, bah, ce soir, c'est la fin de la. Bon, maintenant, vous savez ce qui vous... À l'heure actuelle, Stan était vraiment une très bonne personne pour nous. Oh, une connerie. On l'avait mis très haut dans notre estime. Donc, les prochains qui essayent de nous la mettre à l'envers ou qui ont même pour plan de nous la mettre à l'envers, bah, il se passera le même sort. Donc, je vous remercie d'être venu, d'avoir assisté à la mort d'un de nos frères, voilà. Et malheureusement, en ce moment, ça va être un peu compliqué parce que il y a les flics qui vont nous tourner autour. Mais sachez juste que ça va reprendre très bientôt et que on sera davantage prêts pour justement effectuer ça sans bavure. Et on espère aussi que justement du côté de la LSPD ça va changer et que ça se passera correctement et dans les règles. Donc s'il y a des personnes qui veulent dire quelque chose ou pas...